Bienvenue à Fort Boyard. Enfin, on la tient, la championne de la fanfaronnade et de la dérision. Rira-t-elle d'aussi bon cœur devant le dépassement et la peur? Son masque d'audace va-t-il tomber? Elle qui pouvait se cacher derrière ses complices de RBO. Pas facile de salir pour son équipe. Pas évident lorsque le temps s'écoule et que la clé doit être rattrapée. Elle qui fait équipe avec un bleu poudre. Lui qui se cache derrière le téléphone pour piéger le pape, la reine d'Angleterre et même Brigitte Bardot. Il n'a même pas vécu une épreuve de Fort Boyard, mais peut-être qu'après, c'est le bonhomme Carnaval qui va rire dans sa barbe. Aujourd'hui à Fort Boyard, l'équipe de Chantal Franck et Pierre Brassard. Salut, Marie-Soleil! Salut, Guy! Est-ce que c'est du monde en forme, ça? Ah, c'est du monde en forme, puis c'est du monde décidé. Pour le meilleur et pour le plaisir! Voilà. Du monde décidé qui a la bonne approche, en plus, pour le meilleur et pour le plaisir, c'est en plein ça. Alors, je vous présente tout de suite pour compléter l'équipe de Pierre Brassard et Chantal Franck. Pierre qui est déjà essoufflé. Ah oui, c'est fini, là, non? Je vous présente Gaëtan Vigaouette. Anne-Marie Bélanger. Salut. Et Benoît Proulx. Bonjour. Ils travaillent tous les trois dans une école spécialisée en déficience intellectuelle ou visuelle. Alors, ils sont habitués aux défis. Parce qu'à tous les jours, leur défi, c'est de faire progresser les jeunes. Vous allez en avoir des défis ici. Chantal et Pierre, vous avez l'habitude de vous moquer des gens. Aujourd'hui, c'est-tu un petit peu moins comique? Je me suis dit, entre autres, que c'était une bonne occasion pour les gens de rire à leur tour de moi. Je me suis tellement moquée d'eux que... J'avoue, c'est non, je suis prête à ça. OK, c'est bien. Ben, on aurait dû en faire plus parce que je ne suis pas certain que je vais les revoir, alors... Non, on va donner le meilleur et on a une bonne équipe. C'est vrai que c'est une bonne attitude. C'est vrai qu'ici, c'est aussi une école spécialisée. Spécialisée dans les clés pour les épreuves et les aventures pour les indices et le mot-code. Vous le savez, ça vous prend 5 clés pour accéder à la salle du trésor. Comment on les obtient? Rien de plus simple. Premier rendez-vous avec le père Foura, qui donne une énigme. S'il y a une bonne réponse, tant mieux, ça fait une première clé. S'il n'y a pas une bonne réponse, c'est Benoît qui devra aller à la mer avec du courant, avec des vagues. Vraiment pas facile. Mais ça, ça reste à voir. N'oubliez pas qu'à partir du coup de gong, on a 35 minutes pour accéder à la salle du trésor. Rien de plus. Sinon, pas de trésor pour vous autres. Et pour aller voir le père Foura pour commencer, Chantal, tu pars tout de suite. Okay, tu y vas, mais n'oubliez pas, dès que vous entendez le coup de gong, le chronomètre se met en marche. Vous êtes prêts? Oui. Benoît, oui. Tu prépares la boule. Coup de gong. On s'essouffle, hein? Ça rigole pas ici, hein? Eh oui! Ici, c'est pas piment fort, hein? Ah, pas vraiment, non? C'est Fort Boyard. Oui, bon, allez, on perd pas de temps. Je vois que vous êtes prêtes. Écoutez bien. Ah, Stiva et Siev et Kishni et Siev et Goloshni, c'est qui est-il? Allez, proposez. Je répète. Un Polonais. Ah, Stiva, ouais. Ah, mais non, bon, allez, plus facile alors. Écoutez bien. Obstacle à franchir à cet instant. Par qui veut la clé? N'avez-vous pas une impression de déjà-vu? Maintenant que vous m'avez entendu, qui suis-je? Je répète. Obstacle à franchir à cet instant, par qui veut la clé? N'avez-vous pas une impression de déjà-vu? Maintenant que vous m'avez entendu, qui suis-je? Le père Foura? Non. Une énigme? Oh, comment ça? Vous avez dit cravate? Non. Vous avez dit quoi? Cravate? Non, j'ai dit une énigme. Une énigme? Oui. Bah, c'est ça. Bah, vous avez trouvé l'énigme. Oh! Waouh! Pas trop fort. Allez. Super. Bah, voilà. Descendez. Merci. Bah, de rien. Tout le plaisir était pour moi. Allez. Elle a failli être coincée. J'ai vu une hésitation à un moment donné. Yeah!
vous avez commencé à garnir votre porte-clés, c'est pas si mal, ça en fait une. Mm-hmm. Il en manque encore quatre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Anne-Marie? Je suis enseignante. Enseignante, c'est ça. T'es habituée à l'école. Ah oui. Tu trouves-tu que ça ressemble à des classes, ça, ici? Mais celle-là n'est pas faite pour toi. Bravo. Bon, ben... Bravo. Benoît, on peut venir le sommier. C'est pour applaudir, Pierre. Bravo. Pierre, viens ici. OK. Il y a plein d'appareils. Toi, tu es habitué de manipuler des appareils de téléphone, des microphones, des caméras, des caméras Polaroid et tout. Capote, il y a pas ça ici. Ben, tu vois la belle vie. OK. Es-tu capable de sauter à pieds joints sur une occasion? Ouais. Oui, quand il faut. Tu sens pas qu'on est devant toi comme un boulet? Oui, peut-être. Regarde, tu devras t'aligner comme il faut et faire comme si tu étais dans une petite fête là, pour ramener la clé. OK? Okay. Lance des choses, mais serre-toi de tes pieds, pas de ta tête. Glisser les boulets le long de la planche et puis tu vas faire sauter pour les faire embarquer dans les barils. OK? Tu mets les boulets sur la planche, tu les fais glisser, tu mets le petit tabouret au bout de la planche. T'enlignes le petit tabouret, enlignes le tabouret. Ça ici. OK, tu montes. Non, c'est bon, à terre, tu montes dessus. Ouais. T'enlignes la planche sur les barils puis tu sautes. OK, c'est bon. Saute dessus. Les deux pieds d'un trace de pied. Les pieds, avec les mains. Ouais, les pieds là. OK, oui, fais ça vite, Pierre. Let's go. Non, avec les pieds. Pierre, il faut que tu sautes avec les pieds là-dessus, là. OK. Voilà. Non, Pierre. Hein? Pierre, il faut que tu sautes à pieds joints là-dessus, là. Comme ça. Non, mets-toi sur le tableau. Voilà. OK, je comprends. C'est OK, bon, comprends. Il était temps. C'est ça. Go. Ça plaît ça qu'il faut que tu fasses. Lâche pas, mon Pierre. Go. Je l'envoie, là. C'est ça. OK, let's go. OK, il vise les trois baies comme il faut. C'est ça. Laisse-le aller, le boulet. OK. Plus fort que ça, saute plus haut. Lâche pas, dernière chance. Trop fort! Essaye une autre fois! Fais ça vite! Une dernière fois! OK, attends. Excusez-moi. C'est beau, t'as bien travaillé. Écoute, t'es allé juste un petit peu avant, un petit peu après. C'est ça, c'est comprendre. Mais vous étiez clair. Mais c'est beau! Écoute, t'as essayé avec les mains, t'as tout essayé. Juste quand il y allait avec les pieds, ça marchait. Une question de seconde, on perd pas. Ça a bien été? Non, OK, all right, on s'en va à la prochaine. Bravo! 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 Oui, c'est pas un joueur de basket. C'est pas le Magic Johnson du Fort Boyard. Il y en a eu deux paris sur trois. C'est très bien. Ouais. Vous êtes transportés, vous êtes bien logés, on vous offre de l'aventure au maximum. Et on offre même les appareils de protection. Tiens, mon Gaétan. Benoît. Viens ici. Portez ça devant vos yeux. N'oubliez pas, il faut couper le contact. Vous gardez le contact, tous les deux, mais il faut couper le contact. Pas un, pas deux, pas trois, quatre contacts. Sinon, vous allez passer ici comme un petit coup de vent. Gaétan, Benoît, écoutez-moi bien, parce qu'une fois que vous allez être à l'intérieur, on ne pourra plus s'entendre. À votre gauche, donc, vous ne pourrez pas entendre quand ça va être fini. À votre gauche, il y a une lumière rouge. Quand la lumière rouge se met à clignoter, il vous reste seulement une dizaine de secondes. Alors, il va falloir penser à sortir rapido. OK? Alors, vous allez au fond, et puis vous revenez avec la clé, hein? Ouais, c'est à la prochaine fois. Ça souffle à 100 km/h.
cache la clé. Génial. Ah! Oh! Décrochez la clé, décrochez la clé. Juste deux. Non, 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 non. Fais juste décrocher la clé. Voilà. On enlève les lunettes parce que vous n'en avez plus besoin. Ça fait chaud à cheveux à 100 km/h là-dedans. C'est ça. Alors, c'est excellent. Bravo. Deuxième clé, on s'en va à la prochaine. On y va. Ouais, super. C'est beau. Il y en a qui sont dans le vent? C'était deux garçons dans le vent. Est-ce que tu as vu la performance de Chantal chez le père Fourat? Oui, d'excellence. J'espère que tu vas l'être autant. Okay. C'est moi? Et toi? Okay. Yo, Pierre, vas-y, toi! T'as pas de l'air dans ton assiette. T'as pas de l'air dans ton assiette du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, t'es pas prête pour une épreuve. Chantal. Oh. Chantal, toi, es-tu dans ton assiette? Oui, ça va. Et là, il faudrait que tu sois sur ton assiette. Ouais. Pour aller chercher la clé. Ouais. Ça va? Ouais. OK, Chantal, tu entres. Il va falloir que tu gardes ton centre de gravité bien bas. Tu montes sur l'assiette, puis va-t'en. Tu montes sur l'assiette. Vas-y, doucement. OK, ça arrête de tourner éventuellement. OK, doucement, doucement. Dites-lui qu'il faut qu'elle aille vraiment doucement. Doucement, Chantal! Prends ton temps! Qu'elle prenne le temps. Prends ton temps, doucement! Qu'elle l'arrête, voilà. OK. OK. Puis là, graduellement, elle va monter son centre de gravité. La clé est au-dessus. Prends ton temps, arrête la roue. Dis-lui l'équilibre sur la boule. OK? C'est ça, prends ton temps, prends le centre de gravité! Dis-lui rester à quatre pattes sur la boule. Demeure à quatre pattes sur la boule. Puis monte ça doucement. C'est doucement. Trouve ton centre de gravité. C'est beau, Chantal, oui, c'est ça. Oui, excellent. Fais pas tourner ça. Essaye d'y aller vraiment doucement, de contrôler l'assiette le plus possible. Doucement, tu as amplement le temps. OK. Chantal, essaie de contrôler l'assiette le plus possible, OK? Alors, tu y vas doucement. Et puis, tu fais monter graduellement ton centre de gravité. La clé est au-dessus de ta tête. Doucement! Reste un petit bonhomme sur la boule, Chantal, au départ, pour stabiliser tout ça. Mets-toi un petit bonhomme, Chantal, pour stabiliser tout ça. Reviens, petit bonhomme! Petit bonhomme, t'as bien son centre de gravité. Chantal, il faut que tu baisses ton centre de gravité. Mets-toi un petit bonhomme sur la boule pour stabiliser l'assiette. OK. Stabilise-la. Puis là, graduellement, la graille. Tranquillement. Faites attention au temps. Faudrait pas la perdre, hein? Une fois qu'elle a la clé, elle peut pas juste tirer dessus. Faut qu'elle dévisse. Faut qu'elle commence à faire ça vite, là. Oui, fais la retenue. OK! C'est T'es pressé? Ça me tourne! Mais t'es une femme équilibrée, hein? Ça fait que c'est une équipe équilibrée. On va aller voir comment Pierre se débrouille avec le père Fourat. Oui. Benoît et moi, on s'en va se préparer au Carlet. Vous trois, vous suivez Dédé. Et puis, on va aller voir Pierre avec le père Fourat. C'est beau! Vous servir. Ah, ça tombe bien, justement. J'avais une petite chose à vous demander. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Jacques Chirac? Oui, je l'ai, mais c'est souvent son répondeur. Souvent son répondeur. Ouais. Parce qu'on m'a dit que vous aviez un agenda. Oui, on a un agenda, c'est chargé, oui. De... Moi, vous risquez pas de me joindre. Hein. Je corresponds avec des pigeons voyageurs, moi. Vous n'avez pas un téléphone portable? Pour personne. Okay. Vous ne me coincerez pas. D'accord. Allez, moi, par contre... Tu vas t'essayer. Peut-être. Écoutez bien. Oui, Jacques. Amazon courageuse ou poussière?
dangereuse. Peu importe, puisque l'action de l'une et l'autre est toujours stupéfiante, qui est-elle? Je répète, Amazone courageuse ou poussière dangereuse, peu importe, puisque l'action de l'une et l'autre est toujours stupéfiante, qui est-elle? Et le sable coule. Ouh là là. Ça descend. Je sais où ça descend, moi ça descend, mais Amazon, je ne peux pas la répéter une autre fois. Oh, non, non, votre non, numéro non, de téléphone. Non, non. Amazon, poussière dangereuse. Ah, on fait moins le malin, hein. Eh oui, allez-y. Moi, je ricane. Amazon. Enfin, je vous laisse vous concentrer. Hein. Je ne veux pas vous déranger. Non, non. C'est trop tard d'ailleurs. Tiens. Eh ben oui. Eh ben c'était l'héroïne. Ah oui, mon Dieu. Bah oui, mon Dieu. Une femme guerrière, une Amazone, de grand courage, considérée comme une héroïne par ses pairs. Et puis, la poussière, synonyme de poudre, l'héroïne est une poudre. Da, 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 da. Hein? Bah là, vous êtes une victime, hein, pas un héros. Bah, ça fait du bien l'occasion. Bah oui, allez, oui, revenez. Les humains. Hein. Salut, bienvenue. Père. Allez, allez, salut. OK, Benoît, l'énigme a été ratée, alors il faut que tu ailles chercher la clé à la mer. Okay. Là, tu fais attention aujourd'hui parce qu'il y a énormément de vent et de vagues. Tu la vois, la clé? Oui, c'est beau. Tu vas la chercher puis tu reviens le plus vite possible? Parfait. OK. Wow! Oh! Aïe, aïe! C'est beau, Ben! Wow! Aïe, aïe, aïe! Ça va-tu? C'est bon, je l'ai! OK! Ça s'en vient, ça s'en vient! Un dernier petit coup de cœur, tu y es? T'en as sprintance? Oh, Chloé, salé! Tu y as vu? Bravo! Écoute, je te laisse te changer puis tu viens nous rejoindre. OK, attends. OK. Tu sais pourquoi t'es allé dans la soufflerie tantôt, toi? Eh hey, oui. Parce que t'as pas déjà oublié des clés dans une souffleuse, perdu tes clés dans une souffleuse? Oui. Il n'était pas question que ça arrive deux fois. Non, non. Dans l'épreuve de l'assiette, il fallait que tu sois équilibré. Dans la prochaine épreuve, il faudra déséquilibrer. Ah. Oh! Anne-Marie, Anne-Marie, faut que Benoît va venir nous rejoindre. Il y avait du courage, il y avait une grosse mère déchaînée. Il y en a 14, je pense. Il y avait une grosse mère. Voyons si maintenant tu pourras te déchaîner à ton cours. OK, Anne-Marie, va falloir que tu y ailles sans hésitation. Et c'est pour Anne-Marie, OK? Il va falloir que tu donnes tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Anne-Marie, faut que tu donnes tout ce que tu as, OK? Faut que tu la déstabilises. Rien qu'une fois, mais faut que tu la déstabilises. N'hésite pas! Rentre dedans! Dans les genoux! Oui! Marie. À la taille, Anne-Marie! À la taille! Oh, OK, remonte! Tape le matin! Vas-y, Anne-Marie! Faut vraiment qu'elle la déstabilise une seule fois. Une fois que la femme forte va être tombée, une fois, là, elle va chercher la clé au bout de la poule. Oui, c'est ça. Vas-y! Juste une fois! Encouragez-la. Let's go, Anne-Marie, let's go. Go, lâche-moi, Anne-Marie, lâche-moi. C'est bon, ça va bien. Allez. Donne tout ce que t'as, Anne-Marie. Recommande. Pour toute ta famille, ah ouais, Anne-Marie, let's go, t'es correct. Allez, recommande. La même chose. Vas-y. Hop là, attends. Un coup sec, Anne-Marie! Let's go. Je pense que c'est un dernier coup. Un dernier. Je suis pas sûre que ce soit de foncer dessus la meilleure solution, mais. Recommence! Une dernière fois! Attention, faudra pas la perdre. Par son bâton. Vite. Il te reste pas beaucoup de temps, Anne-Marie! Fonce comme des. Oh,
C'est beau, c'est beau, travaillez fort. Elle est solide, mais ça veut dire c'est pas. Oui. Puis les gants de boxe sont loin aussi. Oui, mon Dieu. OK, bien là, il reste deux épreuves. Il manque deux clés. Il faut vraiment donner tout le temps. Venez-vous-en, c'est beau. Wow! Marie-Soleil? Oui, toujours trois, puis c'est une équipe décidée, alors je pense que... Vous n'avez plus le choix, effectivement. Pierre, tu as tout compris. Ça nous prend absolument les deux clés dans les deux prochaines épreuves, parce que ce serait dommage d'envoyer quelqu'un... Aux oubliettes. Vous savez qu'à Fort-Boyard, pour obtenir des clés, il faut faire des pieds et des mains. J'en ai vu faire des pieds sur la poutre, Anne-Marie, c'était très bien. Des mains également dans la soufflerie, Benoît. Et voici quelqu'un qui va user de tous ses talents pour aller chercher la clé. La clé, elle n'est pas... visible à l'œil nu. Oui. Il faudra te salir un peu pour la trouver. Ça te va? Oui. Let's go, Chantal! Let's go, Chantal! OK, Chantal, tu vas chercher, tu vas fouiller dans tous les plats, OK? La clé va être au fond complètement. C'est bon! Bravo! Continue! Oh. Oui! C'est là, Chantal, let's go! C'est dégueu! Continue, perds pas de temps! OK. Ça pique. Allez, rentre! Perds pas de temps! OK, faut qu'elle aille dans le coin. Come on! Ah oui, fais le tour! Fais le tour! Oui, c'est bon! C'est dégueulasse! Là, elle est dans les blacks, là! T'es bonne, Chantal! Fais le tour! Fais le partout! Ah oui! Ah oui, let's go! Celui-là, ça fait pas mal. Chantal, moi, je t'ai vu sur le bord d'une piscine, OK? Oui. Alors, il y avait quelques petites fourmis sur le bord d'une piscine, puis tu criais, tu trouvais ça dégueulasse. T'as vraiment été admirable. T'as bien fait ça, bravo. Bon, ben on y va. Il y a manqué une. Bravo. La pression, Marie-Soleil? Ça va. Oui, ça performe, ça performe. Est-ce que c'est juste la course dans les escaliers qui va te sauter comme ça? Est-ce que vous faites un peu de conditionnement physique ou juste de la marche rapide? Oui, ils sont dans le shape. Toi, tu fais quoi comme conditionnement physique? Je fais du vélo, mais je l'ai pas encore... Gaëtan, pourquoi tu te caches derrière, soudainement? Viens ici, Gaëtan. Ah, mon Gaëtan! Écoute bien. Je vais donner quelques indications toutes plus précises les unes que les autres. Il faudra bien que tu écoutes Marie-Soleil aussi. Parce que la clé, elle est là. Oui. Tu ne pourras pas te servir de tes mains pour l'atteindre, la clé. Tu auras besoin d'un grand bâton de fer. Sauf que le trajet est un peu tortueux. D'accord. Ça te va? Oui. Écoute bien les indications de Marie-Soleil aussi. OK. Gaëtan, tu y vas, tu suis le labyrinthe avec le pivot. Tu commences à progresser, tu suis le labyrinthe. OK? Comme ça? Oui, tu suis le labyrinthe. Let's go! Yo, Gaëtan! Fais attention de ne pas sortir du circuit jamais par en bas des fois, là. Oui, continue. C'est bon, c'est bon, exactement bien, ça. Fais attention en bas, fais bien attention, OK. Il est passé. Oui. Il est c'est très bon. OK, là, il doit monter l'ascenseur, ça, c'est lourd, ce poids-là. Excellent. Il va super bien, qu'il fasse très attention. Sois prudent en bas, sois prudent. Faut que tu recommences du début. Du début, hein. Let's go, faut vraiment qu'il aille prudemment. Let's go, fais du temps encore. En bas, faut qu'il fasse super attention. Va pas trop vite en bas. En bas, faut qu'il fasse attention, c'est ça. OK. Là, perds pas de temps, là, quand tu peux. Ça va bien. C'est bon. C'est bon.
En bas, c'est en bas qu'il faut qu'il fasse attention. Attention, doucement, oui! Doucement. OK, OK. Rapidement, monte, monte ça, monte, monte, monte! Monte, monte, monte! Voilà! Oui, oui, oui! OK. Doucement! OK, dans le sens des aiguilles d'une montre! OK, oui, tu vas ouvrir en haut! T'as du temps! Vas-y! OK, ça va bien, c'est ça. OK, là? Non. Hein? Voilà, reviens! Reviens sur tes pas! Reviens par en haut, là! Reviens! Reviens en haut! Oui, c'est ça, c'est ça! OK, 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 ça va bien. Doucement! Voilà, il remonte! Oui, oui, OK, il est sorti? Il est sorti encore. Il est sorti? OK, il n'est pas sorti. C'est bon, c'est bon. Tu descends l'élastique en dessous de l'élastique. Passe en dessous. C'est bon. Tu le fais. Tu peux faire tomber? Oui. Fais-le tomber. Fais-le tomber. Puis tu passes à droite en dessous. Passe à droite en dessous. En dessous, passe à droite. À droite. À droite. En dessous. Voilà, c'est ça. T'as dit ça. C'est bon. Allez, rends-toi non, par la porte. Par la porte blanche. Oui, 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 c'est ça. Par la porte blanche, descends. Non. Prends toutes les portes. Faut que tu prennes toutes les... Non, là, recommence la porte blanche. Recommence la porte blanche. Recommence la porte blanche en haut. La porte blanche en haut. Oui, c'est ça. OK, encore la porte blanche. Monte, monte, monte. Allez, en haut. Voilà, la porte blanche. La porte blanche. Non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Okay, c'est bon, Gaëtan. T'as donné tout ce que t'avais. En fait, ce qui t'a perdu, c'est d'être obligé de recommencer au départ. Bon. Bon, ben la gang, on s'en va tout de suite à la salle du trésor. Il nous manque une clé, il va falloir... Venez vous en, c'est beau. C'est beau, vous avez bien fait ça. Fuis encore. Oui, quatre on perdra clés. Pas de temps. Oui, il y a seulement quatre clés. OK. OK. Installez les quatre premières dans les serrures. Dès que vous les avez, allez-y. Dans les serrures, il y en a seulement quatre. Allez, Pierre. Allez, Pierre. OK. L'autre côté, ouais, c'est beau, les dents par en haut. Tu augmentes les épreuves, là, Pierre. Là. OK. Bon, vous le constatez, il manque une clé. Ça prend quelqu'un qui va se sacrifier pour son équipe aux oubliettes pour avoir la cinquième clé. Gaëtan? Oui, Gaëtan, c'est toi? Bon, alors. Allez l'aider. Vous allez le glisser dans l'oubliette. Et vous ramenez la cinquième clé. Gaëtan, la seule façon de l'avoir, cette clé-là, c'est de te perdre. On va faire ça en pensant à toi, mon vieux. Merci. Merci, Gaëtan. Attention! La clé, lance la clé, Gaëtan! Lance la clé! OK, Gaëtan, lance la clé! Oh! Okay. Oh! Merci, Gaëtan, Benoît, tantôt! Benoît, dans la cinquième serrure. Bon, là, vous avez vos cinq clés. Voilà. Vous avez vos cinq clés. La salle du trésor est maintenant accessible. À partir de maintenant, on cherche des indices pour avoir le bon mot-code. D'accord? On s'en va immédiatement à la première aventure. Benoît, tu vas te préparer pour la première aventure. OK? OK, alors, tu vas maintenant, on va aller te joindre. Okay. Bon. OK, à tantôt. Anne-Marie, viens ici. Tu vas aller voir le père Foura. Il va te donner trois définitions qui vont te conduire à un même mot. Ce premier même mot, c'est ton premier indice. Il faut que tu l'aies, OK? Trois définitions pour un seul et même mot. C'est ce qui va te donner, peut-être, on te le souhaite, le premier indice. Tu pars tout de suite. Anne-Marie, le beau jeu, une fois, t'écoutes bien comme il faut, OK? Pierre, Chantal, vous cherchez maintenant des indices. On y va tout de suite. On va aller se préparer. Marie, c'est le last call. Allez, allez, allez. Oh, bonjour, j'étais sûr que vous alliez en arracher avec le fort. J'en étais sûr. Bon, on se concentre, on est prêt. Écoutez bien. Mon premier indice est une nécessité judiciaire.
une loi? Non. Mon premier indice peut s'exprimer en quatre. Vous êtes dur des coquillages? Non. Mais ça te finit en quatre. Okay. Mon premier indice peut choquer. Alors? Non, pas bien. Bon, bah, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Là, vous allez redescendre. Pas de premier indice. Et puis, bah, vos amis vous attendent. Allez. Descendez. Hop. 1, 2. Oh là là. Oh, il y a un petit problème avec les oreilles. Benoît, t'as droit à une aventure avec vue sur la mer. Bonne poussée au départ, tu sors de la cellule, t'attrapes les cordes et t'avances jusqu'au bout. Sauf que, pour avoir l'indice, il faut casser la poterie là-bas. Et pour y arriver, tu dois tirer sur une poignée pour que tout soit de niveau et l'indice va apparaître devant tes yeux comme par enchantement. Tu perds pas de temps, parce qu'au bout d'un certain temps, l'indice va s'autodétruire. Je vais t'abaisser la plateforme ici et dès que tu sens en suspension, tu y vas. Ça va? Parfait, on y va. OK. Benoît, il doit se tirer donc de corde en corde au bout complètement. Benoît! Okay. Champion! Tarzan, let's go! Comment il fait? Il y a du vent en plus! Avec le vent, c'est vraiment difficile. Il vente beaucoup. Let's go, belle! Agilité! Concentration! Allez! Envoie la clé pour... Ok. C'est la seule façon d'y arriver. Voilà, tire-toi! Allez, balance-toi! Tire, c'est bon! Balance-toi, Benoît! Balance-toi, tu vas y arriver! Tu vas y arriver, ça va bien, le vent est ton bord, on dirait! C'est bon, tire-toi! Bravo! Ok! Faut qu'il y aille au bout, le plus au bout du rail! Balance-toi, Gaétan! Benoît! Balance-toi! Écoute-moi, Benoît! Ouais. Pour rapprocher l'indice de toi, il va falloir que tu tires sur la petite poignée là, pour rapprocher l'indice. On descend de l'étage. Vas-y, OK. Ça devrait libérer l'indice de toi. Ça devrait faire en sorte que la poitrine... Ouais, voilà, la poitrine, tu la casses avec le bâton. OK, tu casses la poitrine. Vas-y, casse fort! Tu peux prendre tes... Tu fais attention de ne pas l'échapper au vent, c'est pas important parce qu'il vente beaucoup. C'est bon, tu dévisses par le haut. On va l'avoir, ça s'en vient. C'est bon. OK. Il dévisse. Le petit papier s'en vient. Tu fais attention de ne pas l'échapper. On va l'avoir et c'est le mot... Ouverture. Bravo, Benoît. Ça va tout de suite à la deuxième aventure. OK, puis tu vas venir nous rejoindre. Bravo! Venez-vous-en, la gang. C'est beau! Bravo! Oh. Aïe! Ouverture. Et puis c'est le premier indice. Il nous reste une aventure pour aller chercher un deuxième indice. C'est le seul indice qu'on a. Oui. Ouverture. Oui. Comme ça tombe bien. Une toute petite ouverture à vous proposer. Ça prend donc quelqu'un de pas tellement grand. Non, ça va être pas Pierre. Viens ici, mon Pierre. Pierre, il faut que je te parle un petit peu. On a eu, pendant que Benoît se trimbalait sur le surplomb, un appel du pape. Et il nous a fait demander, il nous a fait jurer de te faire payer la note pour le coup pendable que tu lui as joué au téléphone. C'est moi qui ai payé le compte de téléphone. C'est pas encore assez. Alors, le pape veut que tu sois complètement à genoux, pour commencer.
À genoux. Non, non, à genoux. Voilà, tu commences à payer ta note. C'est pas encore assez. Le pape voudrait te voir à plat ventre. Puis, après? OK. Ah, c'est quoi, je fais, là? Tu y vas, vas-y, Pierre. Tu rentres là-dedans. Rentre là-dedans. Non. Vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre, rentre. OK, hésite pas. Rentre. Ferme la porte ici. OK. Bon, ben. Alors là, bon Pierre, voyage. Let's go. Yeah. Voilà. OK, tu y vas, Pierre, vas-y. Tassez-vous. Pierre, il faut que tu y ailles. OK, tassez-vous. OK. Tassez-vous. Go, Pierre. Faut pas que je perde de temps. Est-ce qu'ils l'ont ouvert la porte? Oui! Oh. Go! Go! Non, Pierre! Perds pas de temps, Pierre! Fais ça vite, les 10 secondes! Vas-y, Pierre! C'est bon! Lâche pas! Pierre, t'as déjà la moitié du temps découlé! L'indice va s'auto-détruire à la fin! Fais ça vite! Vas-y, mon Pierre. Vas-y, Pierre! Oublie-les. C'est beau! Il y en a une centaine, mais tu les oublies. Imagine que c'est ta blonde! Oui, je sais, mais elle est dure à ouvrir, la blonde! Non, je parle des rats! OK, vas-y, Pierre, prends pas de temps! Voilà, une dernière porte à ouvrir. Dernière porte à ouvrir, ça prend 5-10 secondes, absolument. Go, go, go! C'est beau, Pierre, tu fais bien ça! C'est beau! Tu fonces après ça quand tu ouvres, puis tu vas t'arracher l'indice! Go, Pierre! Allez. Ouvre ça! Vas-y, Pierre, vas-y! Vas-y! Vite! Tire là-dessus, sur l'indice, arrache! Arrache-le! Tire là-dessus! Je tire! Faut que tu sortes avec, Pierre, viens, tire dessus, puis sors avec! Je tire! Tire dessus! Tire. Puis sors avec! OK? Où j'en viens? Non, tu sors au-dessus de ta tête par le trou! Au-dessus de ta tête! Go! Vas-y! OK, c'est bon! C'est ça! C'est bon! Oh, mon Dieu! Go! C'est bon! Et là, c'est bon! Il est sauvé? Il est sauvé, il n'est pas autodétruit. C'est les femmes qui vont faire les plus gros défis. Go, alors, qu'est-ce que ça nous donne? C'est dernière. Ça nous donne dernière. Merci. Alors, le premier indice qu'on a eu avec Benoît, c'était? Ouverture et dernière. Bravo, on s'en va à la salle du trésor. OK, venez-vous-en. C'est vous qui êtes super bien. Avant la cloche. Parce que les 35 minutes continuent à s'écouler. OK. Marie-Soleil, deux indices. Oui, on a dernière et puis on a ouverture. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ouverture. Est-ce que vous avez des dernière. Idées? Je me sacrifie. Ouais. Ah oui, OK. Alors, dans la tête de tigre. C'est le Benoît. Ah, c'est beau, Benoît. OK. Tu rentres la main ouverture là-dedans puis tu me sors un mot. Et dernière. Voilà. Ouverture okay, et dernière. Commencez à réfléchir. Je vais ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Comme autre indice ici, on a. Horloge. Hein? Ouverture. Dernière. Horloge. La mort. Est-ce que vous voulez faire un autre sacrifice? Il faut sonner la cloche. Okay. Faut sonner la cloche tout de suite. Est-ce que vous voulez faire un autre sacrifice? Anne-Marie, tu y vas? Tu me sors un... Voilà. OK. Tu me sors un mot ici. C'est beau.
OK. Ici, on a normal. L'heure. Dernière heure. Heure d'ouverture. Puis l'autre. C'est heure. D'accord? C'est ça? Heure. Perdez pas de temps. Organisez-vous, les gars. H-E-U. H, pour moi, c'est H-E-U. OK, go. Des boulets sur les lettres pour lesquelles vous ne pouvez pas vous mettre debout. Go, go! Allez, 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 allez. Là, 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 là. Lui, là, lui, lui, là. Oui, ça, c'est lui. Au coin, à droite. Tu voulais? Oui, en haut, à droite, toi, dessus. H-E-U-R-E. Philindra, tête de tigre. Exact aujourd'hui était heure. À la vigie, le mot recherché, l'indice recherché était vérité, comme mon premier indice peut s'exprimer en quatre, comme les quatre vérités. À l'aventure numéro un, au surplomb avec Benoît, nous avons eu l'indice ouverture. Avec Pierre, parmi les rares, on a eu dernière. La première tête de tigre nous a fait voir horloge, horloge pour l'heure évidemment. Et finalement, la dernière tête de tigre, normal, comme heure normale. Le bon mot code aujourd'hui, heure. OK, les prisonniers vont être libérés. Sur le plateau de la pesée. Voilà, venez-vous-en à la pesée. Oui. Attention, venez-vous-en à la pesée. OK, Chantal va être libérée. C'est beau, juste de ce côté-là. Hey, vous n'avez pas oublié Gaétan que c'est sacrifié pour vous. Hein? Alors, on va aller libérer Gaétan. Benoît et Pierre, Gaétan vont avoir besoin de votre aide pour sortir de là. Parce que sans, attention. Sans Gaétan, il n'y avait pas de cinquième clé. Là. Voilà. Gaétan, tu tends les bras. Viens, Gaétan. Attention à la tête. Oh! Oui, super. L'équipe est là au grand complet. Vous voulez savoir combien vous avez récolté? Oui, bravo. Oui. Didier, Dédé, allez. La pesée. Attention. Waouh, c'est beau. On regarde juste en haut, là. Voir combien ça donne. 1720 Bravo! Alors, Pierre, après une performance semblable, est-ce que c'est épipip ou rat? C'est non. Souris! Gaétan, il y en a une gang qui vont être fiers de vous autres. Oui, papa, il y a l'école Saint-Charles. Oui, votre gang va être pas mal fiers. Bravo! Et puis, ce trésor-là, je le remets à Gaétan, le capitaine. Gaétan, tout ça va être remis à votre nom à Opération Enfant Soleil. Merci beaucoup. Et puis, ben, à bientôt! Hein? Yeah! Yeah!